Bon, alors aujourd'hui, on va essayer de montrer un petit peu le diagnostic sur cet appareil-là. C'est bon, c'est un oscillo, hein. Un certain Yves qui m'a donné ça il n'y a pas longtemps. Donné en état de panne, évidemment. Manifestement, on n'a pas de composants claqués, de fuite ou de choses comme ça. Et au niveau de l'allumage, si je mets le power. Sans faire bouger le châssis. Et si je trouve le bouton, on a quand même une impression avec ce petit bruit étrange que ça vient d'ici. Ce bruit étrange me laisse à penser que les bobines se comportent comme des haut-parleurs et que justement le hachage, le découpage de cet alim, tout simplement n'arrive pas à démarrer. Il n'arrive pas à démarrer en général parce qu'il y a une conversion du 50 Hz en haute fréquence. Et a priori, le démarrage se fait par une petite charge énergétique au tout début quand on allume. Quand on alimente. D'ailleurs, si je coupe, on entend très légèrement que ça couine encore un petit peu. Et on se doute donc, par l'aspect visuel et de toute façon l'usure connue de ces composants-là, que ce serait probablement celui-ci et celui qui est dessous. Condensateur qu'on appelle normalement condensateur Y, en termes de fonctionnalité, qui serait en défaut. Donc, bon, c'est quand même de la haute tension, hein, dans cette partie-là. Donc, je vais essayer de les remplacer par ces modèles. C'est des 2.2 picots. Picots, je crois. Non, 2.2 nano. Donc, on va essayer ça. Et puis bon, on va voir si ça répare ou pas.